les amis. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve dans le garage, dans l'atelier, pour non pas s'occuper d'une voiture cette fois-ci, mais une moto Kawasaki Versys 1000 japonaise. On va s'occuper globalement, on va faire un detailing dessus, complet. Donc pré-lavage, lavage, décontamination, correction, protection. Petite protection, ce ne sera pas la céramique complète, mais ce sera donc la cire synthétique infusée à la céramique. Donc celle que j'ai utilisée pour la Kia, si vous vous rappelez. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil également. Alors merci à vous de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Alors, n'hésitez pas, likez, mettez un pouce, abonnez-vous, actionnez la petite cloche pour suivre les aventures. Sur Facebook, placez des commentaires, sur YouTube également, c'est toujours un plaisir de vous lire. Contactez par Messenger également, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Si vous souhaitez voir des vidéos plus techniques, dites-le moi, mais je tâcherai de suivre ça de près et de vous présenter un maximum. Alors ici, on va s'attaquer à la Kawa. Vous connaissez la chanson, on fait le tour, on attaque, on se retrouvera après. Ok? Allez, on y va. We'll be right back.
amis, comme vous avez pu voir, bonne douche. La moto est nettoyée, on va finir de l'essuyer. Donc, pré-lavage, c'est comme les véhicules, hein, c'est exactement la même chose. Pré-lavage, lavage, décontamination en chimique. Le mécanique, on va faire quelques éléments, mais globalement, elle n'en a pas besoin. Je vais la sécher, me sécher par la même occasion, vous avez vu quand je l'ai rentré, il tombe des cordes. Terminer surtout de ranger le matos qu'il y a dehors. On continue avec la moto. Et c'est parti. Allez, let's go. Mes amis, deuxième jour de travail sur cette japonaise. J'ai démonté la bulle après le nettoyage où vous avez vu que le temps n'était pas clément non plus. Ici, je vais terminer les petits détails que au niveau lavage, j'ai pas su faire parce qu'il fallait démonter. Après ça, toutes les étapes du detailing, on va les continuer. Donc après le pré-lavage, on passe à la décontamination, ça c'est fait. Ensuite, le polissage, donc la correction. Vous allez voir qu'il y a quelques micro-rayures quand même, réservoir, devant. On va refaire également les optiques de phare, les plastiques aussi. Il y a beaucoup de petits recoins, donc on va travailler tout ça. Vous me suivez, comme d'habitude. Allons-y.
compromis, une aventure qui se termine sur cette Kawasaki. Elle a été complètement prélavée, lavée, décontaminée, corrigée et protégée. Gros travail dessus quand même, parce que sur une moto, vous avez beaucoup de petits détails. Donc il a fallu aller vraiment au fond des choses. Alors, au niveau travail, eh bien, là où ça a mis quand même le plus de temps, c'est toutes les parties mécaniques inférieures, la ligne de pot d'échappement qui a été refaite, enfin, du moins, on a essayé de récupérer, j'ai essayé de récupérer un peu tout ça. Tout ce qui est petite visserie pour tenir la carrosserie, ça a été démonté, ça a été nettoyé, ça a été décontaminé aussi. Puis ça a été replacé. Donc énormément de pièces qui ont été démontées afin de pouvoir les travailler plus facilement. Donc ça met quand même énormément de temps aussi à ce niveau-là. La bulle, même chose, démontée. Et alors elle a été corrigée, elle a été micro-rayée, quelque chose de phénoménal. Donc là on est quand même parvenu à récupérer, je vais dire, entre 90-95% des micro-rayures. Donc ça c'est quand même, ça a été un très très beau travail, ça a été un très bon challenge pour moi en tout cas. Bon, ça n'avait rien à voir avec les BM que j'avais fait auparavant, mais en tout cas, ici, ça me conforte qu'on me fasse confiance pour justement également faire les motos. Donc, vous le savez, voiture, moto, c'est bon. On peut y aller. Je vais vous laisser avec les photos de la partie terminée, donc de la moto terminée, comme d'habitude. On fait le tour. Je vais vous laisser jusqu'à ma prochaine aventure. Encore merci de me suivre. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.